Oh là 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 là, la famille, je peux vous dire que là, on va faire une vraie dégustation. Yo la famille, c'est le Rocket 9-2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale parce que dans cette vidéo la famille, je me suis fait tout simplement livrer par le restaurant Poulet Braisé, un restaurant qui fait du poulet braisé magnifique, tu vois, on va déguster du vrai poulet avec des tacos, des pommes de terre sautées, enfin ils m'ont vraiment livré plein de bouffe la famille. Donc là je peux vous dire qu'on va se mettre bien, donc là je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, même si je vous ai montré déjà un aperçu, ça c'est rien du tout, il y a encore plein de trucs dans le sac. Donc là je vais vous montrer toute la bouffe qu'il y a dedans et on va procéder à la dégustation. On se retrouve à tout de suite. Ok, donc là c'est parti pour vous montrer tout ce qui contient le sac. Franchement c'est une dinguerie la famille. Déjà regardez, ils m'ont offert des sauces bien fines. Oh là là, on dirait l'emballage bien fine. Regardez les sauces, comment ils sont bien emballés. Donc on va tester leurs sauces, on va vous montrer les plats, etc. Donc regardez tout ce qu'ils m'ont livré. Déjà on va découvrir ça. Oh là là, regardez des espèces de tacos avec de la salade, bien saladifiée, champignons, etc. Tu vois, de la vraie salade. Et à l'intérieur, je crois des tacos, c'est des thunder. Ouais, je vois des thunder, vous allez voir, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer tout ce qu'ils m'ont livré. Franchement, c'est juste ouf. Un grand merci à eux. Donc tout sera en description. Franchement, c'est de la frappe atomique la famille. Donc, on a encore un autre pack. Donc ça, je sais pas c'est quoi. Donc on va découvrir ensemble. Franchement, ils m'ont mis bien. Oh là, on va bien manger la famille. Regardez-moi ça. Oh là là, des magnifiques potatoes de chez Poulet Braisé. En plus, c'est pas les potatoes classiques, ça, la famille. C'est des potatoes avec des herbes de Provence. Enfin, des herbes, tu vois, qui ramènent plus de saveur. Franchement, c'est une dinguerie. Il y a quoi encore? Ouais, j'ai encore plein de trucs. La petite boisson, ils ont pensé, tu vois, à ma soif. Tu vois, ils sont bien généreux. Ils ont mis une bonne boisson bien fraîche du Oasis Tropical. C'est la base. Après, regardez toutes les sauces qu'ils ont mis. Encore une sauce. Encore une sauce. Encore une sauce, voilà trois sauces frère, on dirait ils vont faire une fusion les trois sauces, une dinguerie. Et là encore une autre sauce, donc ça c'est une autre, hein. C'est une autre. Et là la famille, on a la bête, on a tout simplement le poulet braisé, regardez. What? Ils m'ont mis tout ça de poulet braisé la famille, regardez. Oh là là, on va être bien, rien qu'à l'odeur, oh tu sens que c'est du vrai poulet. Regardez-moi ça la famille, ils m'ont mis... Je sais pas combien de cuisses de poulet braisé, bien braisifié, tu vois, ça se voit, ils ont brosé en Cameroun les poulets, tu vois, ils ont brosé sur les plages du Cameroun, la famille. Regardez-moi ce bon poulet avec tous les épices. Là, je peux vous dire qu'on va faire une bonne dégustation, la famille. Ok, donc là, la famille, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va tout d'abord tester la salade et les mini tacos. Donc franchement ça, en fait je crois que c'est des tacos. Regardez, il y a des espèces de thunder dedans, du poulet. En plus ils sont spécialisés dans le poulet. Donc on va tout d'abord tester ça. Des espèces de petits tacos au poulet. On dirait des faritas, on va déguster ça. C'est parti la famille. En fait c'est des wraps au poulet. En plus c'est halal, hein. C'est halal bien évidemment. De la frappe. En fait, c'est des espèces de wrap au poulet, la famille, avec de la salade dedans. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je vais retaper un autre trou, la famille. Allez, je vais manger ça. Je vais retaper un autre trou. Regardez-moi ça. Oh, franchement, c'est de la frappe atomique. Premier test de poulet braisé, les wraps. Magnifique, magnifique. En fait, on ressent vraiment bien le poulet. C'est de la qualité, tu vois. Ça se voit que c'est pas du poulet de contrefaçon, tu vois. En tout cas, franchement, le wrap, c'est une dinguerie, super bon. On dirait des wraps de qualité, vraiment. C'est le poulet, il est tendre. Et là, on va tester la salade un peu. Je vais taper une brochette de salade, enfin une cuillère plutôt. Donc, dans la salade, il y a des champignons, etc. C'est une dinguerie. Je me sens dans un champ d'agriculture, la famille. Attendez, non, non. Il n'y a pas des tracteurs à côté, il n'y a pas des vaches. Oh. C'est magnifique. Une salade, la famille, avec des haricots verts dedans, des champignons, la magnifique sauce du maïs. Franchement, ça, c'est de la frappe atomique. En fait, ça, la famille, c'est l'entrée, tu vois. Ils ont vraiment fait un truc stylé, tu vois. Il y a une entrée, ils ont vraiment équilibré, tu vois, pour pas manger trop gras. Mais en tout cas, c'est magnifique. Salade magnifique, wrap magnifique. Et là, la famille, on va tester tout simplement les autres trucs. Parce qu'il y a trop de trucs à tester, la famille. Il y en a trop, il y en a trop. On va tester tout d'abord les potatoes. Donc, hop, je les ai pris. Donc, regardez, c'est des potatoes comme as. Et on va tester avec la sauce. Oh là là, je vais tester avec la sauce. Elle a l'air d'être énervée, la sauce. Donc, là, j'ai ouvert la sauce. Donc, regardez la sauce, comment elle est. Oh! Rien qu'à l'odeur, tu sens que tu vas bien sniffer de la bonne sauce, la famille. Et là, on va tester les potatoes. Franchement, ils en ont mis beaucoup. Et en plus, moi, je suis un grand connaisseur de potatoes. Donc, je vais vous dire directement si elles sont bonnes ou pas. En sachant que moi, j'ai fait plein de fast food. Je connais vraiment bien les potatoes. Je suis un bac plus 5 en potatoes, je crois. Donc, c'est parti. Ah. Ah. Meilleure petite sauce que j'ai goûté. Wallah, là, je m'en parle. Wallah, c'est vrai, la famille. Oh. Avec la sauce, en fait, c'est une sauce faite maison par eux. Du coup, c'est de la qualité, la famille. Mais
On dirait des potes et tous maison, la famille. Regardez, en fait, ils mettent des épices dessus. Oh. C'est les plus bons potatoes que j'ai mangé. Wallah, il a dit, la famille. Oh là là, c'est une dinguerie. Franchement, potatoes, c'est validé de ouf. On va reprendre une petite dernière. Ah, franchement, c'est une dinguerie. Super bon, les potatoes, avec la sauce. Oh là là. Mou bien. Et maintenant, on va tester le poulet braisé. Donc, c'est le classique. Hein. C'est vraiment leur spécialité, la famille. Le poulet braisé. C'est des experts en ça. Et regardez. Franchement, ça, c'est une cuisse, ça. Ouais, mais. Wallah, on dirait un poulet entier, la famille. Waouh! Ça, c'est plus du poulet braisé. Ça c'est du poulet. Du vrai poulet, ma gueule. Wallah, j'ai l'impression de tenir une halter. Donc là, regardez, j'ai pris un morceau de poulet braisé parce qu'il y en a trop. Wallah, il y en a trop, la famille. Donc, ça va être ma première fois que je teste du poulet braisé. Donc, il y a les potatoes à côté, il y a l'accompagnement, il y a tout. On va tester tout simplement le poulet braisé. Donc, le poulet braisé, c'est un poulet qui bronze au soleil, en fait. C'est un poulet genre à base d'épices dessus. C'est de la tuerie. On va tester ça pour la première fois. La famille, c'est du vrai poulet. En fait, c'est du poulet, tu vois, qui sort de la boucherie. Tu vois, c'est pas le poulet qu'ils mettent dans Otakos ou c'est pas le poulet qu'ils mettent dans les Grecs, etc. Ça, c'est du vrai poulet fermé, la famille. Oh, là. Je vais taper une deuxième bouchée. Ça, c'est du vrai poulet, la famille. Oh là là, regardez. Hein. Regardez la quantité de poulet qu'il y a à l'intérieur. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, la famille, je vais retaper un wrap parce que c'est magnifique. Les wraps au poulet avec des magnifiques cuisses de poulet maison. Franchement, c'est une tuerie. Là, regardez, le wrap, en fait, je vais faire un combo. Je vais mettre des potatoes dedans. On va le tremper dans la sauce. Donc, wrap au poulet. On va faire comme ça. Regardez. Oh là, c'est une dinguerie. Regardez. Franchement, c'est de la frappe. Honnêtement, c'est super bon. En fait, le poulet, qu'il soit dans le bras ou qu'il soit là, les deux, ils sont magnifiques. Mais après, le poulet braisé, il a plus de goût. Parce que tu vois, c'est le vrai poulet braisé. Là, c'est du poulet, tu vois, regardez. Du poulet tender, un peu. Vraiment très, très bon. En plus, c'est délire, la pâte du wrap, elle est super douce. Elle est vraiment bonne, tu vois. Ça se voit, c'est de la bonne pâte, tu vois. Elle est faite avec du maïs et tout. C'est une dinguerie. Et là, quand même, je vais prendre de la boisson. Donc, du Oasis tropical pour rafraîchir un peu. En sachant que j'ai tapé pas mal de poulet. Donc, c'est parti. Ça rafraîchit trop. Donc là, let's go pour retaper le poulet braisé avec des potatoes. Regardez, on va faire des combos. Avec le poulet, regardez, que de la viande, ma gueule. En fait, le poulet braisé, ça n'a rien à voir avec le poulet de KFC ou le poulet des autres fast food. C'est vraiment du poulet, en fait. Tu ressens vraiment la bonne odeur, tu vois. Tu ressens la vraie chair du poulet, tu vois. Non, honnêtement, franchement, c'est juste ouf. Là, je suis obligé d'en retaper. Franchement, regardez le poulet. Hein. J'ai tapé que des petits morceaux. Regardez, c'est deux grosses. En fait, c'est même pas des cuisses, je crois. C'est des bras de robot. Voilà, regardez, ils ont super bien blindé. Donc, maintenant, la famille, je vais tout simplement donner les notes. Donc, que ce soit pour tout. Donc, déjà, on va commencer par le tacos. Donc, un taco, je lui donne un 9 sur 10. Très, très bon. Tacos wrap, espèce de tacos wrap. Enfin, voilà, c'est de la dinguerie. Il y a à l'intérieur du poulet tendre. La salade, un 10 sur 10. Franchement, dans le terme où ils ont mis des haricots verts, ils ont tout mis. En fait, c'est une salade vraiment composée de beaucoup de légumes. Tu vois, des champignons, il y a tout dedans. Il y a tout, la famille. Ensuite, les potatoes, 10 sur 10. Franchement, je les donne très rarement, mais ça se voit que c'est des potatoes fraîches. Tu vois, ils ont mis des épices dessus. C'est pas les potatoes que tu manges dans les snacks, quoi. Voilà. Moi, j'ai l'habitude des potatoes, mais celles-là, elles sont extrêmement bonnes. Magnifiques. La sauce, alors là, un 10 sur 10 parce que c'est de la sauce maison. Et en plus, regardez, ils en offrent comme ça aussi, tu vois. Comme de la crème bien fine, tu vois. Quand t'as des ch'tards, ma gueule, t'en mets sur ton visage. Voilà, c'est une dingue. Donc, franchement, la sauce, 10 sur 10. Le poulet braisé, facile, 9 sur 10 parce qu'ils en ont mis en grosse quantité. Tu vois, quand tu commandes chez eux, ils sont vraiment généreux. Et le poulet, il est super bon, il est épicé, il a plein de goût. Franchement, t'as l'impression de manger un nuage de Alice au pays des merveilles. C'est juste magnifique, la famille. Et l'Oasis, hein. C'est la base d'un bistrogi, c'est classique. Hein. De toute façon, tous les Oasis, c'est les mêmes. Mais franchement, honnêtement, très très bonne dégustation. Ça change des tacos, des kebabs, etc. Parce que là, c'est équilibré. Et c'est des produits frais, bien évidemment. Donc, sur ce, la famille, là, on arrive vers la fin de la vidéo. En sachant que j'ai tout testé. Le poulet braisé, les potatoes, l'espèce de wrap et la salade. Franchement, il y a tout qui est bon. Le but de cette vidéo, c'était pas de manger beaucoup. C'était vraiment de tester parce qu'il y avait beaucoup de choses. Hein. Du coup, voilà, j'ai pas fait le rafale. J'ai pas mangé beaucoup. C'est parce que tout simplement, c'était pour tester cette vidéo. Parce qu'il y avait trop de choses. Voilà la gym. Mais tout est bon, franchement, comme je vous l'ai dit. Hein. J'ai donné les notes. De toute façon, les notes, elles en parlent même. Hein. Mais en tout cas, franchement, je suis vraiment pas déçu d'avoir testé cette chaîne de restaurant. Donc,
Donc tout sera en description, tout était bon, voilà, c'est une dinguerie. Donc sur ce la famille, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est pas fait la famille. Et nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao.